MOD est un mouvement de jeunes engagés pour le développement. Après 5 années de parcours politique, le moment est à un revirement stratégique. La génération MOD a trouvé sa mission, celle de contribuer dans un élan d'unité et de mutualisation des forces aux côtés du président Patrice Talon à reconstruire notre cher et beau pays. Nous ne la trahisserons jamais. Cet homme nous a marqués par sa vision futuriste et ses réformes courageuses. Plus de place à la gabegie, plus de place à la mauvaise gestion, plus de place à la corruption, plus de place au détournement des deniers publics et à l'impunité. Ce congrès extraordinaire consacre le pas posé. Les leaders politiques présents et représentants des mouvements amis souhaitent la bienvenue au MOD dans la grande famille de la mouvance présidentielle. Vous avez traversé des batailles, vous avez traversé des difficultés. Fassions table rase du passé et que nous progressions vers l'avenir ensemble avec le président de la République. Nous sommes arrivés pour soutenir. Pourquoi ? Quand quelque chose est bien, il faut appuyer. MOD s'inscrit dans la même dynamique que nous et ensemble nous invitons tous les militants et ses partisans à accompagner les nobles visions du chef de l'État, son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Et ces mots scandés en chœur portent une touche finale à la solennité du jour. Est-ce que vous êtes tous prêts pour le chef de l'État ? Pour les réformes que le président Talon a engagées, vous donnez quoi ? Entre le président Patrice Talon et le parti MOD, c'est une affaire de fraternité et d'engagement pour le Bénin, pouvait-on lire sur les affiches exhibées à l'occasion de ce congrès.